Culture. h 49 minutes sur Alger chaîne 3. L'actualité dominée bien sûr par la situation en Palestine et aussi tout particulièrement à Gaza avec ce crime ignoble, cette barbarie de l'entité sioniste qui a détruit un hôpital et qui a fait plus de 500 martyrs, parmi eux beaucoup d'enfants. On en parle également de cette résistance palestinienne avec Fatah Boumahdi. Bonjour Fatah. Bonjour Hakim, bonjour à tous les auditeurs. Les Palestiniens qui résistent avec le cœur, avec les tripes, avec leur voix, avec leurs cris, avec des pleurs, avec leur sang, mais aussi à travers l'art, la création artistique. Et aujourd'hui, nous allons parler de la solidarité des artistes algériens qui soutiennent la cause juste palestinienne, et ce, depuis le tout début de leur carrière. Certains choisissent la littérature ou la musique ou le cinéma, comme nous l'avons évoqué hier, et aujourd'hui, place aux arts plastiques avec l'artiste peintre Abdelazzar Hafien, né à Ouad Souf et diplômé de l'École supérieure des beaux-arts. Il a consacré une partie de ses travaux à la Palestine. Certains de ses tableaux nous plongent dans le quotidien atroce des Palestiniens et l'injustice imposée par l'entité sioniste, tandis que d'autres, elles nous évoquent l'espoir, la culture et surtout l'identité palestinienne qu'essaie d'effacer Israël. D'ailleurs, ce qui s'est passé hier est un génocide, clairement un génocide. Et je vous propose d'écouter Abdelazzar Hafien. En tant qu'artiste engagé, pour moi, il est fondamental de traiter ce genre de sujet lié à cette cause. Pour moi, un artiste doit être à l'image de son temps. D'autant plus que les positions du peuple algérien envers la cause palestinienne sont connues depuis toujours. Pour moi, c'est le seul État, le seul peuple qui n'a jamais varié de position quant à la cause palestinienne. L'art est un support visuel pour lancer des messages, que ce soit des messages de joie ou d'espoir ou de douleur, qui est le cas malheureusement. Comme il peut aussi être un support de soutien ou de mémoire aussi. Il peut être aussi une aide visuelle de dire on est là, on partage votre douleur. J'utilise mon art comme antidote aux horreurs, à ces horreurs de cette guerre et à cette injustice sociale. Ce qui se passe actuellement à Gaza, un génocide commis par un colonisateur fasciste, intégriste, soutenu par l'Occident, porteur des valeurs universelles, qui n'est qu'un mauvais élève de l'histoire humaine. Ce qui se passe actuellement à Gaza est un crime contre l'humanité, une véritable tragédie. Et voilà, c'est dit, c'est une tragédie. Et la Palestine, qui a de tout temps résisté à l'histoire, aux colons israéliens et au temps, continuera à résister et surtout préserver son identité. Et les Palestiniens, ce peuple merveilleux, courageux et brave, qui ne doit pas se sentir seul dans son combat. Absolument, Hakim. Merci, Fatah Boumahdi.